En direct sur le plateau d'Agora Web TV, nous recevons maintenant Jean-Luc Le Taux Duclos, président du CERI. Alors Jean-Luc, qu'est-ce que le CERI ? Alors le CERI, c'est une association qui est née en 1986 de la volonté d'une dizaine de passionnés d'histoire locale, dont Jean-Paul Florquin, Louis Caudron, Daniel Chochnaki, pour citer que les plus importants de l'époque. Donc ces gens-là ont créé cette association pour développer, pour faire connaître l'histoire de Saint-Laurent-Blangy et aussi préserver le patrimoine évidemment de la commune qui est très important. Donc le but essentiel de cette association, eh bien, c'est avant tout les publications évidemment. Donc là, depuis 1986, l'association a produit à peu près 8 publications sur l'histoire de Saint-Laurent-Blangy en général, sur la Première Guerre mondiale, puisque Saint-Laurent-Blangy a été totalement rasé. Donc c'était une période qui a marqué fortement la commune par l'histoire, mais aussi dans son architecture et dans la structure elle-même de la commune. Alors récemment, vous avez fait une exposition sur le réveil de Blangy. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, alors là, à Saint-Laurent-Blangy existait une très grande fabrique de réveil. Cette fabrique se situait sur Blangy, ce qui est maintenant les établissements Boyenval Vampire. Donc cette horlogerie a fonctionné de 1925 à 1954 sur la commune, avec une production d'à peu près 4,5 millions de produits, de réveils, horloges et autres. Donc c'était une industrie très importante pour la commune, puisqu'elle employait au plus fort des productions 200 personnes. D'accord. Alors Jean-Luc, où peut-on trouver les publications du CERI ? Alors les publications, pour ceux qui désirent simplement les consulter, on peut les trouver à la bibliothèque Jean-Paul Florquin. Donc là, les livres ont été déposés, donc il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent les acquérir, les acheter, donc là, ils peuvent s'adresser à moi, ils viennent chez moi ou ils me téléphonent. Voilà. Et puis là, il n'y aura aucun problème. Bien. Ben, merci Jean-Luc, puis bon courage pour la préparation du 90e anniversaire de la bataille d'Arras. Merci. Merci à vous.